Kamel, les terroirs, les terroirs, salut, c'est encore moi, monsieur Rémi Nyanga. En fait, si je fais cette vidéo, c'est beaucoup plus pour venir avec l'humilité. C'est plus pour être le comique, malheureusement, mais c'est pour dire merci au Waman du théâtre. Vous avez vu le geste de ce matin, non? Je crois que pour un Waboy, ça signifie quelque chose. Je l'ai reçu, je tenais à féliciter le Waman et Tata Paul de vive voix. De vivre vraiment. Pour nous qui sommes dans le sous-marinage, comme on aime dire souvent dans le jargon, c'est une reconnaissance. Je crois qu'un 31 décembre, si vous avez un 31 décembre, si vous avez la visibilité que vous offrez le Waman aujourd'hui, ça veut dire peut-être que 2020 sera votre année, qui sait. Parce que même moi, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. En vrai, en vrai. Bon, je ne veux pas te demander de laisser. Il ne faut pas laisser. Mais je ne te défie pas, papa fidèle. En fait, il faut savoir que l'on ne t'appelle pas ici Anguissa, parce que nous sommes les Waboy d'Anguissa. On ne t'appelle pas le Waman, hein. On t'appelle papa fidèle ou bien le Baba. C'est comme ça que l'on t'appelle ici. Alors, je te suis éternellement reconnaissant. C'est en fait l'objet de ma vidéo. Te dis merci et au-delà, en outre, te dis que tu as bas un travail énorme. Peut-être tu ne le sais pas, mais l'emprise qu'a les réseaux sociaux, c'est la sauce. C'est la sauce en fait. Et tu vois comme Badjon la sauce sur le riz là. Ça va partout. Donc c'est comme ça. Waman, si tu es là dans la société, pour nous surtout qui n'avons pas de parents vraiment en tant que tel, nous sommes les Waboy en vrai. C'est un ouf le soulèvement parce que tu nous restes à rester dans le propre. On ne floppe pas dans le sang. On reste dans le propre grâce à toi. Les conseils que tu produis, on voit que c'est peut-être valable de l'autre côté. Je crois que même ici, c'est valable à 850%. Ouais. Alors, je tenais à te remercier de toujours sensibiliser cette jeunesse-là que nous sommes. Même si nous sommes parfois sous marinage, c'est vrai. Mais c'est mieux dès que tu tapes dans l'ombre. Mais aujourd'hui, tu m'as fait retenir une grande leçon. Il faut oser toujours croire en ses rêves. Parce que c'est uniquement à eux que réside notre devenir, notre accomplissement. Je te remercie. Je ne sais pas trop, tous les terroirs et toutes les terroirs, je vous souhaite une excellente année 2020. Pluie des bénédictions, papa fidèle, alias Waman du théâtre, Tata Paul, tous mes camarades de promotion, vraiment, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la culture camerounaise. Vive le terre.